Salut tout le monde, c'est Amel le jeu, on se retrouve pour une petite session F0. Un petit nouveau concept que je me fais pour ma chaîne. Je vais faire des vidéos courtes. Ça dépassera pas les 10 minutes, du moins je ne pense pas, on sait jamais. Et ce sera basé sur des jeux que j'aime. On peut pas vraiment faire un walkthrough dessus, par exemple F0, j'aurais du mal à le faire. Alors j'avais déjà commencé à y jouer, là j'ai fait juste une course pour me remettre dans le bain. Voilà, j'avais fait Mute City 2. Nous, on va se faire un grand prix. Alors, moi, je vais prendre le Blue Falcon. Bon, on va regarder le nom des autres, quand même. On a le Golden Fox. On a le Wild Goose. Wild Goose. Et lui, c'est le Fire Stingray. Ah bah, nous, on va prendre le Blue Falcon. La base. On va prendre le Knight League. Beginner. Expert. Qu'est-ce que tu crois? Je vais me faire torcher. On va bien voir. Alors, on commence toujours en seconde position. On va faire gaffe à pas faire une fausse accélération, donc c'est bon. Alors ça, c'est la barre pour restaurer sa vie. Hein. Et voilà, on est parti. L'autre derrière, il me trace déjà. Généralement, quand on utilise le Blue Falcon, on a toujours le véhicule jaune qui est devant nous. Sur ces tremplins, ce qui est bien, c'est quand on reste appuyé sur le bas, on peut atterrir sans se faire mal. Bon, après, ce sont juste des petits détails de gameplay que je vous informe. Mais bon, c'est un vieux jeu, donc vous devez sûrement les connaître. Évidemment, les bords, faut pas les toucher parce que ça nous fait mal. Et en plus, on perd de la vitesse. A chaque tour, on récupère un boost. C'est ce qui est marqué en bas. J'ai un S vert, là, en bas. Je peux l'utiliser si je veux. Je crois que c'est appuyant sur Select. Non. Ah voilà, c'est sur... je peux pas regarder ma manette, au risque de perdre la course. Enfin, c'est sur un bouton de la manette, hein. Pour utiliser le boost. Parce que vous voyez à droite, le gris, c'est, on va dire, du gravier. Faut éviter de rouler dessus parce qu'on perd... Enfin, rouler dessus. Passer par-dessus, parce qu'on n'a pas vraiment de roue sur nos véhicules, hein. Au risque d'être ralenti. Hein, une chose que j'aime pas trop par contre dans ce jeu, c'est le fait qu'il y ait 5 tours. Alors, ce véhicule, faut y faire gaffe. Ces véhicules là qui clignotent, si on les touche, ils explosent parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'énergie. Et s'ils explosent, et bah, on perd de la vie et on perd beaucoup de vitesse. Alors lui, il va dégager, sympa. Faut savoir que dans ce jeu, on peut rouler très très vite parce que F-Zero, c'est un jeu de course futuriste. Genre là par exemple, on est à plus de 500 km/h. T'imagines ça en vrai dans ta bagnole à plus de 500 km/h, t'auras bien t'accrocher, hein. Enfin, voilà, après l'épisode 64 et l'épisode GameCube ont carrément rehaussé la barre de la vitesse. Pouvant atteindre des sommets, le mur du son. Plus, oh là, plus de 1000 km/h on pouvait rouler. Enfin, c'est pas roulé. Je dis roulé, mais c'est pas roulé. Faut que j'arrête. Savoir que dans ce jeu, on a une... Comment on dit ça? On a une obligation de rester dans le peloton des 15 premiers, on va dire. Parce que si on va... Dégage, toi! Si on descend en dessous des 15 premiers, on a une petite alarme qui nous dit... faites attention, vous êtes en dessous des 15 premiers, il va falloir vous bouger un petit peu le moignon pour monter dans le classement. Et si on atteint les 20, enfin à partir de la 20e place, et bah c'est clair et net, on vous coupe la course. Ah là. Bon bah voilà, on va s'arrêter là pour cette course, hein. Je ferai une autre vidéo pour la course suivante. Et oui, je vous l'ai dit. Ce sont des vidéos courtes, c'est pour pas se prendre la tête. Juste des petites vidéos comme ça, sympa. Bon allez, ciao.